Lors du tournage d'un documentaire sur la santé en Afrique, j'ai découvert un endroit unique, un lieu qui m'a marqué pour la vie, l'hôpital de Tangueta, au nord du Bénin. Ici, au premier regard, tout n'est que drame, tristesse et souffrance, au cœur de l'une des régions les plus pauvres de notre planète. Mais il se passe à Tangueta quelque chose d'incroyable. Comme si une énergie impalpable faisait de cet enfer un véritable Éden. Où le sourire et la guérison prennent le dessus sur la mort et où toutes les religions cohabitent dans la paix. J'ai voulu en savoir plus et suis retourné là-bas à la rencontre des fondateurs de cet hôpital, les frères de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. J'ai voulu comprendre comment ils avaient fait de cet endroit un lieu d'amour, d'espoir et de foi. Je vais vous raconter le miracle de Tangueta. Cette histoire a commencé il y a 40 ans dans une région reculée d'Afrique. À la frontière du Bénin, du Togo et du Burkina Faso, les frères de Saint-Jean-de-Dieu ont créé un hôpital au milieu de nulle part et l'ont exclusivement dédié aux populations les plus pauvres qui tentent de survivre avec l'agriculture. Au départ, sans eau ni électricité, les frères sont partis de rien pour bâtir cet hôpital qui n'a fait que s'agrandir au fil des années et au rythme des épidémies. Les malades y viennent de très loin, parfois plusieurs semaines de voyage à dos d'âne, à moto, en bus ou à pied. La réputation de Tangueta est si grande que tous y viennent dans l'espoir de guérir, à tel point que l'hôpital est presque toujours saturé. Parmi les frères de la communauté de Saint-Jean-de-Dieu, il y a le frère Florent. D'abord infirmier, il est devenu médecin, puis chirurgien. C'est lui qui porte l'hôpital à bout de bras depuis le début. Ce matin, il est appelé au chevet d'une malade dont le cas semble préoccupant. C'est une femme qui était en grossesse de 3 mois à peu près et elle a consulté dans un centre parce qu'elle avait des maux de ventre et parce qu'elle saignait. Ils l'ont référée ici un peu tard, malheureusement. Elle a expulsé le fœtus, le placenta était dedans. Le docteur, hier, il a évacué le placenta. Mais aujourd'hui, avec la perfusion, comme ça, elle s'est améliorée un peu et elle a manifesté une péritonite. Quand on a ouvert, on a trouvé l'intestin pourri. Donc ça nous a pris tout l'après-midi. Et malheureusement, elle n'urine pas. Donc, je vais voir si elle a commencé à uriner. Et tout est déséquilibré complètement. Tout est complètement altéré. Infirmier. Oui. Mais dans la perfusion, 50 ml de bicarbonate. Oui. Et tu l'as fait aller à 50 watts par minute. Et on ne fait plus d'antibiotiques tant qu'elle n'urine pas, parce qu'elle ne peut pas les éliminer. Voilà. Ça, c'est quoi? Le soir, malheureusement, l'alimentation électrique de la ville nous fait souvent défaut. Maintenant, dans quelques secondes, le groupe électrogène va remplacer, mais ça nous crée des grands problèmes. Du point de vue des équipements. On a plein d'équipements qui sont gâtés parce que après, quand le courant revient, souvent il a un voltage trop élevé et il fait des désastres. Ça va. Le résultat n'est pas... Cette femme, en Europe, elle s'est remise tout de suite en hémodialyse. C'est ça. Il faut dire qu'ici, une personne qui arrive à son âge, elle a 30 ans, elle a déjà survécu à la sélection naturelle. En principe, elle est quand même forte là. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a derrière.
Moi, je crains fort aussi qu'il y ait un sida en dessous. Donc, c'est toutes des situations aggravantes. Et c'est malheureusement des expériences qu'on fait pratiquement tous les jours. Dans cet hôpital, l'année passée, on a reçu 11 000 malades, plus de 11 000 malades. Et parmi ces 11 000 malades, presque 1 000 sont décédés pratiquement en arrivant. Le plus, c'est les enfants, mais pas seulement. Et c'est très, très, très dur, quelquefois décourageant, mais on en sauve quand même aussi tellement. Et malgré ça, la population des alentours, mais alentours, je vais dire centaines et centaines de kilomètres, trouve que c'est l'hôpital de Tangeta qui peut sauver les cas désespérés. C'est dur. C'est vrai. Il y a des moments qui doivent être assez décourageants quand même. Enfin, c'est dur. Ouais. Et là, quand on est un homme de foi, on se réfugie dans la prière, en fait. On prie en courant. Sincèrement. En général, ça marche. S'il doit prier en courant, c'est parce que le frère Florent est toujours en mouvement. Il ne s'arrête jamais. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Il continue sa journée par une visite des enfants hospitalisés en pédiatrie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Où t'es mal? Un service auquel il attache une grande importance. Ça va aller. Ciao. Ok. Je m'excuse, on m'a fait un bloc. Avec ses 99 lits, il n'est pas rare que la pédiatrie accueille plus de 200 enfants, qui arrivent toujours plus nombreux, mais devant la gravité de leur maladie, il est impossible de leur refuser les soins. Très vite, une chose me frappe en découvrant cet hôpital. C'est le silence des malades, l'absence de cris et de pleurs des enfants, une impression de courage et de dignité affichée sur tous les visages. J'ai l'impression qu'ici, les enfants ont une résistance à la douleur, enfin une faculté de supporter sans se plaindre, qui est vraiment impressionnante. C'est vrai. C'est ça qui, quelquefois, nous fait retrouver fautifs, parce qu'on ne met pas assez de précautions, disons, pour éviter la douleur. Parce qu'on voit des gens qui font comme s'ils n'avaient pas mal. Or que la douleur, je crois, elle y est pour tous. Mais ils sont habitués depuis petits à ne pas se plaindre. Et ce n'est pas fréquent qu'un enfant pleure, même s'il a mal. Il peut peut-être serrer un peu la mine. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous dira qu'il va très bien. L'un des fléaux contre lequel l'hôpital doit lutter est l'ostéomyélite, une grave affection osseuse qui mutile chaque année des milliers d'enfants. Le petit Ibrahim, 6 ans, en est atteint et depuis 2 ans, il ne marche plus. Opéré par le frère Florent il y a quelques mois, Ibrahim semble aujourd'hui en voie de guérison, grâce à une technique médicale propre à Tangeta, qui consiste à remplacer un os par un autre. On a transféré le péroné dans le reste du tibia. Plusieurs mois après, quand on a vu qu'ici ça avait bien calcifié, on a découpé le péroné distal et on l'a mis dans le tibia résiduel. Ici, on voit très bien l'os mort qu'on avait enlevé et qui a été remplacé par le péroné qui maintenant deviendra à tous les effets un gros tibia au cours des mois qui viennent. Si on ne fait pas ce type d'opération, le choix devient soit amputer et mettre une prothèse qui doit être renouvelée avec la croissance et tout, soit on fait des prothèses qui englobent la jambe branlante, mais qui sont difficiles, extrêmement coûteuses, encombrantes. Or que comme ça, l'enfant, il fera une vie normale. C'est une méthode, ça, qui vient d'où? Non, ça vient de Tangeta. C'est nous qui l'avons, c'est nous qui l'avons inventé par désespoir. C'est-à-dire, on était vraiment peinés de devoir amputer. Donc on s'est dit, on va chercher une méthode qui n'est pas classique, qui n'est pas décrite, mais qui peut-être aura du résultat. On a eu du résultat la première fois. Cette patiente, je crois que c'est la 22e qu'on opère et toutes ont du succès. C'est des interventions qui ont un coût à la fin très élevé parce que l'hospitalisation dépasse souvent 1 an. Il y a plein de problèmes financiers, sociaux, affectifs, parce que la maman va être obligée d'abandonner le foyer pour s'installer ici. Ils viennent déjà de plus de 100 km. Donc il va être très difficile même pour la famille d'approvisionner la nourriture pour la maman. L'enfant sera nourri par l'hôpital. Probablement sera amené à nourrir la maman aussi.
Et la maman est là avec un petit frère. Et tout ça, ça va créer des problèmes énormes, sans compter les dépenses de l'hôpital. Tout malade grave qui arrive, qu'il ait de l'argent ou pas, il est tout de suite pris en charge et hospitalisé. Après, on voit s'ils peuvent nous aider en quelque chose pour couvrir une partie, une petite partie des frais. Un enfant en pédiatrie coûte à l'hôpital 9 euros. Par jour. Nous demandons à la famille de payer 1,5 € par jour. Et un très grand nombre ne peut pas payer cela. Voilà la situation. Mais tout enfant, tout malade, même adulte qui arrive grave, l'ordre est de l'hospitaliser et de s'en occuper. Florent doit maintenant quitter la pédiatrie, car il est attendu au bloc opératoire pour une césarienne. Ciao. Ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va, ça a été. À l'hôpital de Tangueta, les malades sont souvent hospitalisés pour de longues durées. La vie s'organise alors pour leurs familles, qui s'installent comme elles le peuvent et attendent patiemment la guérison. Ici, la communauté de Saint-Jean-de-Dieu est composée de 9 frères qui partagent leur vie entre la prière et le travail hospitalier. J'ai voulu rencontrer le frère Boniface, qui est le vice-provincial, c'est-à-dire le représentant de la communauté dans toute la région. Il nous parle de frère Florent, qu'il connaît depuis de nombreuses années. Moi, j'ai connu Florent, je suis de la localité, je l'ai connu, j'étais encore enfant. On entendait parler de Florent, le médecin, le sorcier blanc à l'origine. Quand il est arrivé, il était infirmier. Et quand il a vu l'ampleur, le besoin sur le terrain, il est retourné en Italie pour demander à faire les études de médecine. Donc il a fait les 7 ans de médecine et il a eu son doctorat. Aussitôt, il est revenu. C'est un frère qui a beaucoup apporté à l'Afrique et nous prions vraiment que Dieu le garde pour nous. Il n'est pas seulement respecté au niveau de l'hôpital. C'est sur l'ensemble du pays et des autres pays limitrophes qui sa réputation vraiment dépasse les frontières. De partout, on sait, quand quelqu'un va à Tangueta, tout le monde veut voir Florent. Au point où, quelquefois, on pense qu'il n'y a que Florent à l'hôpital de Tangueta. Aujourd'hui, il y a 19 médecins. Mais c'est le nom de Florent partout. Florent, je veux voir Florent, je veux voir Florent. Même en consultation, il y a des gens qui viennent. Si Florent n'est pas là, ils repartent. C'est vrai? C'est, bien sûr, parce que tellement... L'hôpital est confondu à la personne de Florent. En plus des 19 médecins africains qui travaillent au quotidien à l'hôpital, de nombreux spécialistes et chirurgiens européens viennent bénévolement pour apporter leur soutien à frère Florent. Claudio Paolino est l'un d'entre eux. Il est cardiologue à Milan. C'est son deuxième séjour à Tangueta. Ce matin, il rend visite à Evelyne, une patiente de 35 ans qui souffre d'une grave insuffisance cardiaque. Son état nécessite l'implant d'un pacemaker au plus vite afin de soutenir le rythme de son cœur. Evelyne, elle est une femme qui est très fatiguée. Il a une fréquence cardiaque très, très bas. Le cœur marche à 40-42 battes par minute. Comme ça, on peut, avec l'implantation du pacemaker, on peut faire une thérapie pour prévenir les épisodes de tachycardie. Tranquille, et pouvoir être très bien. Le bloc est déjà prêt pour Evelyne. Nous y retrouvons Claudio et frère Florent qui vont l'opérer ensemble. En moins d'une heure, le pacemaker est posé. Tout s'est très bien passé. Dans un mois, elle peut commencer la vie normale.
Alors, si jamais Evelyne, elle n'avait pas eu le pacemaker, oui. Comment elle aurait évolué? Dans 2 mois, elle pouvait mourir. Mourir pour que le cœur, parce que le cœur va se fermer. J'ai voulu savoir ce que Claudio retirait de ses expériences en Afrique. Et surtout le pourquoi de sa venue ici. Pourquoi je m'enrichis. Je m'enrichis de sourire des enfants. Et pourquoi je pense que faire améliorer le travail de mes collègues africains, pour moi c'est important. C'est important dans ma vie. Et je crois que mon arrivée ici, c'est seulement un moyen pour m'enrichir dans l'esprit. Dans l'argent, c'est pas un problème. Je l'ai en Italie. L'argent, je le fais. Ma profession, je la fais en Italie. Ici, je viens à travailler pour les personnes qui sont ici, pour les amis africains. Claudio n'est pas un vieil habitué de Tanguetta, mais pourtant, il s'est déjà fait son idée sur le frère Florent. Le frère Florent, c'est un grand homme. Il a fait beaucoup, beaucoup. Il a une personnalité très, très vive, quelquefois aussi beaucoup, trop, trop vive. Mais c'est ce que fait la différence entre une personne normale et un grand homme comme le frère Florent. Comme tous les jours, la salle d'attente de l'hôpital est pleine à craquer, du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit. Florent enchaîne des dizaines de consultations en passant sans cesse d'une salle d'examen à l'autre pour gagner du temps. La patiente suivante n'a pas eu la chance d'être vaccinée contre la polio. Antoinette, 19 ans, est estropiée depuis l'âge de 4 ans. Son handicap la condamne à mendier dans les rues de Tanguetta pour survivre. Ici, il s'agit d'un cas un peu extrême de polio qui a bousillé tous les muscles, y compris ceux du tronc, donc de là, qui soutiennent le thorax, la colonne vertébrale et tout. Les deux jambes sont terriblement rétractées, mais elle a la chance d'avoir deux bras encore bons. Antoinette a bien compris que pour remarcher un jour, il va lui falloir rester très longtemps à l'hôpital. Entre 8 et 12 mois de traitement, avec au moins 6 interventions, kiné et ensuite appareillage. L'hôpital de Tanguetta va beaucoup plus loin que remettre les infirmes debout. Il les accompagne dans leurs premiers pas pour leur assurer un avenir. Ça n'a pas beaucoup de sens de mettre quelqu'un debout et après qu'il n'ait pas à manger. Donc il faut que la prise en charge soit complète. Donc, on fait le traitement médical et après il faut la réinsertion sociale. Et il faut lui donner la possibilité de pouvoir vivre. Et il faut lui trouver un métier qui puisse correspondre à ses capacités physiques et psychiques. Elle devrait pouvoir marcher debout avec des cannes. Antoinette sait qu'un calvaire de plusieurs mois l'attend à l'hôpital, mais elle sait aussi qu'elle en repartira debout. Au bloc opératoire, un autre chirurgien bénévole opère sans relâche du matin jusqu'au soir. Il s'agit du docteur Piero Buffa, lui aussi italien. C'est un ami de longue date de Florent. Il était là dès le début de cette histoire et il est toujours resté fidèle à l'hôpital en y revenant chaque année. C'est une longue histoire. La première fois, je suis arrivé ici en janvier 82, donc cette année, ça fait 30 ans. Et ici, à Tanguetta, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. C'était un grand bois avec un hôpital qui était la moitié de ce moment. Et il y avait le frère Florent qui travaillait tout seul ici, avec beaucoup de malades. C'était incroyable. Je crois que c'est vrai que lui est vraiment l'âme de cet hôpital. Je demande à Piero Buffa de me raconter un souvenir qui l'a marqué lors de ses nombreuses venues. Il n'hésite pas une seconde et me parle d'un nouveau-né parmi tant d'autres à qui il a sauvé la vie.
Est-ce qu'il y a des choses qui marquent à vie? Oui. Donc, dans 2 heures, je vais voir une jeune fille, 30 ans. J'avais fait une réanimation de 2 heures quand elle est née. C'était une jumelle. Un des deux était mort tout de suite. Et l'autre était en arrêt cardiaque et respiratoire. J'ai fait la réanimation, massage cardiaque et respiration bouche à bouche, pendant 2 heures, qui est hors de tout le protocole. Elle est vivante. Il y avait les autres qui me disaient, quitte, il faut travailler dans l'hôpital, tu ne vois pas qu'elle est morte. C'était moins de 2 kilos. Elle avait, je crois, 2 ou 3 jours de vie, mais elle était morte. Mais j'ai continué 2 heures, elle a repris. Et je pense, s'il y a une fille qui est vivante en Afrique, parce que j'ai été ici, ça suffit pour 10 ans, 20 ans de mission. Le nourrisson à qui il a sauvé la vie il y a 30 ans, c'est elle, cette jeune fille. Marie-Noëlle, étudiante en informatique à Cotonou. Elle fait les 800 km en bus pour venir voir Papa Pierrot à chacune de ses missions à Tanguetta. Et à chaque fois, elle aime qu'il lui raconte son histoire. Rien, le cœur ne battait pas. Je cherchais de faire la réanimation, massage cardiaque. Et après 2 heures d'efforts, mon Dieu, le cœur a recommencé à battre, la respiration a repris. Quand on m'a raconté l'histoire, j'étais contente. Bon, je me suis dit que Dieu ne voulait pas que je meure. Peut-être que s'il n'était pas là, je serais morte. C'est bien possible. C'est Dieu qui a mis Papa Pierrot sur votre route? Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Marie-Noëlle vient ici simplement pour voir Pierrot quelques heures, pour lui dire sa reconnaissance. Pendant ces quelques moments, ils partagent tous les deux le bonheur simple d'être en vie et évoquent les miracles quotidiens à Tanguetta. Au terme de mon séjour à l'hôpital, il est temps pour moi d'interroger un peu plus celui qui semble être l'âme de cet endroit. J'oblige donc frère Florent à s'asseoir quelques instants pour qu'il me parle de lui et de son parcours. On m'a un peu contraint à aller dans un collège de frères de Saint-Jean-de-Dieu pour pouvoir continuer les études secondaires parce que ma famille n'avait pas de moyens. Et comme j'étais l'aîné, ils disaient au moins un, il faut qu'il étudie un peu. Je pleurais, je me rappelle, je pleurais et quand on m'a dit pourquoi je pleure, j'ai dit que c'était la fumée de la locomotive. En réalité, je n'étais pas content du tout d'intégrer cet aspirant-là où il fallait que je dise que je voulais être religieux, or que je n'en avais aucune intention. Je le faisais juste pour obéir à mes parents qui n'avaient pas de possibilité différente que ça. Si Florent n'avait pas la foi quand il était jeune, il a su largement démontrer le contraire en 40 ans d'Afrique, passé auprès des malades les plus pauvres. Aujourd'hui, si l'hôpital survit malgré de grandes difficultés financières, ce n'est que grâce aux nombreux donateurs qui sont pour Florent le simple fait de la providence. Vous m'avez souvent parlé de providence. Qu'est-ce que c'est la providence? Impossible de faire une peinture. Moi, la providence, je la sens. Je la ressens dans ma vie. Mais la providence, c'est sûr que c'est cette intervention de Dieu dans notre vie, dans la mesure que nous lui faisons confiance. La providence n'est pas seulement les sous, n'est pas seulement le manger. C'est quelque chose, à mon avis, qui doit arriver à nous habiter et à nous transformer en quelque chose qui n'est pas plié sur nous-mêmes, mais qui va vers les autres. Et je crois que c'est dans la mesure où notre vie est orientée vers les autres. Dieu est obligé à intervenir parce que ces autres, c'est ce que lui il a mis sur notre route. Et il ne peut pas les envoyer vers nous sans pouvoir nous donner les moyens de leur faire ce qu'ils attendent. Depuis 40 ans, frère Florent se donne totalement à l'hôpital de Tanguetta et à ses malades. Et aujourd'hui, il n'a qu'un seul souhait, continuer le plus longtemps possible. Je serai prêt à signer pour très, 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 très longtemps encore.
Et si Dieu veut, je continuerai ici tant que la santé me le permet.